Pour l'équipe du Tonnerre, la priorité est désormais l'adaptation et l'improvisation. Bienvenue dans notre super apprécier la classe. On va surtout bosser de la tactique et du timing plutôt que physique, d'accord. Intervertir les postes sur les exercices de receveurs, de catch de balle, les backers et les safety et les corners. D'accord ? Sur les exercices d'hommes de ligne, toujours les hommes de ligne avec les running. Chacun va être un petit peu spécialisé sur un poste, mais après il y a un noyau dur au club qui peut occuper beaucoup de postes. Donc ça permet des remplacements, ça permet d'essayer des nouvelles techniques. Let's go ! Allez. Il va falloir que ça mouline du cerveau là-dedans, d'accord, pour voir si tout est assimilé et si on peut s'adapter vite en match. Affronter une seconde fois les équipes du championnat pose certains problèmes. Les équipes ont pu analyser le jeu et les stratégies de leurs adversaires. Les clubs doivent donc retravailler leur tactique. Et pour assurer de bonnes tactiques en équipe, chaque membre doit connaître son job. Les hommes de ligne sont au centre des formations. Leur rôle consiste tour à tour à bloquer les adversaires en défense ou à percer leur ligne en attaque. En défense, il faudra toujours plus porter vers l'avant. Ouais, donc c'est comme ça que tu vois. Voilà. Déjà, t'es moins à l'aise. Tu prends la même position de départ d'un Noël, ouais. Sauf que tu recules un peu, tu écartes un tout petit peu plus les jambes. Voilà. Écartes un tout petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Là, tu vas faire un peu plus vers l'avant. Voilà, et là, c'est parfait. T'es couvert. Bon, c'est. Hop! Voilà. Le problème c'est que si tu fais ça, et toi lui il est parti, il a fait ça, donc toi pour revenir ici, t'as été emmerdé après il a passé par là. Alors que si tu fais ça, là, toc, ok. Blocage, esquive, tel est le travail des linemen. Vous devez bloquer main à plat. En aucune manière, vous devez accrocher le maillot. Je dois venir le bloquer sur la face avant. D'accord ? C'est-à-dire que s'il me tourne le dos, que je viens le bloquer là, ça peut être considéré comme une faute. Ok, c'est même une faute. Je dois aller le chercher toujours sur le torse. S'il bouge dans un sens ou un autre, c'est à moi de faire l'effort pour garder le contrôle
du torse. Les exercices de musculation ne sont pas réservés qu'aux joueurs de football américain. Les cheerleaders doivent également entretenir leur physique. Il y a des sauts, il y a de la gym, il y a de la souplesse. Il faut tenir un programme de plus de 2 minutes, donc il faut du cardio, parce que les chorégraphies sont hyper rythmées. Donc il faut tout travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah. Saut, devant, tête, changement de pied. Si on a des difficultés, autant qu'on soit mis devant et que ce soit nous qui bossons plus. Ok? Ça va rentrer, on va y arriver. On est tout fatigué, mais on va y arriver. Ok? Donc c'est vous deux qui demandez. Allez, on va y arriver. C'est simple, vous avez le droit de planter, vous avez le droit d'y arriver. 5, 6, 7. Par exemple, c'est toujours le même problème, c'est de se faire voir en tant qu'athlète et pas en tant que danseuse habillée en mini-jupe et tout ça, quoi. 1, merci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Les gens connaissent pas notre discipline. Quand on parle de cheer, ah, vous êtes pump pump girl? Non, non, on n'est pas pump pump girl, on est cheerleader, c'est pas du tout pareil. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal? 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un mélange d'athlètes, de gymnastes, de danseuses aussi, parce qu'on fait de la danse, mais on fait beaucoup de portées qui demandent beaucoup plus de musculature et de force physique pour pouvoir réaliser plusieurs acrobaties en l'air. Quand on doit porter les filles au-dessus de la tête, ça demande quand même une certaine force et je pense aussi une certaine concentration. Tout comme au foot américain, une équipe de cheerleaders est divisée en plusieurs postes spécifiques. L'un de ces postes est celui de la fly. Donc la fly, il y a les mains sur les... trapèze des bases, ok? Et toi, tu vas prendre tout ça cette année en plus. Donc, les fly ont les mains sur les trapèzes, elles prennent appui ici, pendant que la bague qui est derrière va la soulever pour l'aider à se mettre sur les laines, on va dire, sur l'aine des deux autres. Il faut pas que tu sens le poids ou pas. Non. Et là bon bah je crois qu'en descend comme ça on va pas tout. De toute façon même si elle tombe il y a une bague derrière qui est là pour la rattraper. Je la rattrape tous les coups. De toute façon c'est ça, la bague derrière elle doit se jeter pour la rattraper. Voilà, okay. Pour okay. En témoigner. C'est déjà bien. Donc l'idée c'est bien fait face à face. Les jambes écart de hanche, que vous soyez bien comme la position de squat qu'on avait donc l'autre jour à la salle. Okay. Les mains, quand vous aurez le poids dans les mains, ça va être de tourner vos mains comme ça, pour remonter. Donc c'est ici, et vous remontez. D'accord ? 1, 2, pli, pousse, pli, monte. Tente les jambes. 1, 2, pli, pousse, pli, monte. 5, 6, 7, avancer, il faut toujours rebondir après l'échec. Là-dessus, elles ont toujours montré une super dynamique,
et une force de groupe. Je veux que tu sois plus décontractée. J'ai rien fait. T'as peur de rater? Non. Si. Non. De quoi t'as peur? Ne dis pas je sais pas, il y a plein de choses. Tu es à la hauteur, tu y arrives, tu connais, tu sais tout. Tu sais tout de la Corée, tu sais faire les portées, les filles sont là pour t'assurer. Il peut rien se passer. Mais dès qu'il y a des gens qui regardent. Et qu'est-ce que t'as peur dans les gens qui regardent? Ils sont là pour t'applaudir, pour faire waouh, ce qu'elle fait, c'est trop bien. Ouais. Pourquoi t'as peur? Bon, j'ai peur, je sais pas, je comprends pas. Il faut que tu te lâches. Si tu rates, c'est pas grave, t'as le droit de rater. On est là pour rater aussi. Tu vois, Camille, elle a raté le. C'est pas grave, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'éclater et passer du bon temps. Et encourager les gens. Si tu communiques ta trouille, c'est pas bon. Mmh. Faut communiquer autre chose que de la trouille. D'accord? Surtout toi, on te voit tout le temps. T'es fly. Donc normalement, t'es censé déconner. Oui. Et là, tu peux pas. C'est vrai que parfois, quand on est cheer et qu'on encourage, on se sent un peu seul au football américain parce que le public n'est pas là pour nous suivre, pour nous aider à encourager les joueurs. Les cheers qu'elles vont nous apporter, c'est quelque chose de supplémentaire, de booster, de plein de choses. Mais nous, en attendant, on peut pas leur rendre beaucoup pendant le match. Le faible engouement des parents pour les jeunes adhérents, les cadets, les minimes, voire même on peut mettre les juniors, pour assister aux entraînements, aux matchs, pour accompagner lors des déplacements, ne serait-ce que connaître l'évolution sportive de leur enfant. Flo pourra confirmer, jamais on a une question, comment ça se passe, est-ce qu'il évolue bien, faudra qu'on travaille là-dessus pour trouver une solution pour impliquer les parents. Il suffit de regarder aujourd'hui, il n'y a aucun cadet et il n'y a aucun junior. Voilà. Donc sachant que les parents étaient invités aussi aujourd'hui à venir voir ce qu'on faisait tout au long de l'année, comment on s'occupait de leurs enfants. Il y aura peut-être des idées à donner de ce point de vue-là. En France, contrairement aux conditions de la NFL américaine, il n'y a pas ou très peu de joueurs payés. L'avenir de ce sport repose uniquement sur la passion des joueurs et sur leur bonne volonté. Le bénévolat, tu l'as ou tu l'as pas. C'est tu l'as au fond de toi ou tu l'as pas. C'est-à-dire le bénévolat, c'est quoi? C'est aider sans rien demander en retour. Et c'est tout simplement d'un respect des engagements. Que ce soit pour un contrat de travail lorsque c'est professionnel, ou un contrat moral quand c'est de l'associatif ou du bénévolat. Voilà. Et pour un club de cette importance, l'absence d'un membre peut avoir un certain impact. Il y a toujours des compétiteurs, des gens qui ont envie de tirer le club vers le haut, des gens qui sont motivés, qui ont vraiment envie de faire plein de choses, et puis des gens qui sont là, on va pas dire pour faire le nom parce que ça serait pas sympa, mais qui viennent pas forcément aux entraînements, qui sont pas impliqués, qu'on voit pas sur le forum, et on crache pas dessus parce que faut bien faire une équipe, mais c'est pas une équipe de guerriers. Si on peut pas rouler les jeux, si on peut pas répéter nos gammes, parce que y a 11 mecs à l'entraînement et que il en faut le double, forcément ça pêche quelque part. C'est une incidence sur les matchs. Il y a des gens qui regrettent beaucoup sur une action manquée d'avoir raté l'entraînement, parce que ça aurait fait la différence. Très bien avoir mon effectif à renouveler à 90% entre un match le jour J et le match 15 jours après. Il y en a beaucoup qui viennent tester pour voir un peu à quoi ça ressemble, et d'un côté il y en a qui s'inscrivent juste pour dire qu'ils font du football américain, et à côté on les reverra jamais, du coup il y a énormément de turnover. Avec les objectifs qu'on a maintenant, c'est de moins en moins du loisir, quoi. On nous en demande de plus en plus, donc... On se prépare en faisant des trous, en se disant peut-être qu'elle sera là pendant le match, peut-être qu'elle sera pas là en même temps. Et au final, on arrive parfois les jours des matchs où on découvre qu'il y en a qui sont pas là, et on doit improviser sur le moment, et c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Elles ont toutes pris conscience qu'elles étaient un groupe, que si toutes les filles n'étaient pas là, on pouvait pas travailler correctement. Donc, sauf cas exceptionnel, elles sont très assidues, elles ont conscience qu'il faut être aux entraînements à l'heure et en tenue. Même jeu, les gars, allez!
On se motive, on se motive. La même, allez. Presqu'île, cours. Presqu'île, cours. Presqu'île, cours. Honneur, quel est notre métier? Oh, 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 ouais. Ouais, ouais. Avec ça, je pourrais acheter mon épaulière, mes gants, ma licence. Et si jamais il me reste assez, bah, un casque. On y va les gars. Allez, allez go. Allez mec. Toujours même là. Subis pas. Voilà, c'est bien ça. C'est bien. Te jette pas. Allez. Voilà, c'est pas mal. Et encore, subis pas. Allez. Voilà, c'est bien ça. C'est bien. Si jamais 4, 5, 6, on devait perdre, 8, c'est pas en face qui gagne. 10, c'est nous qui perdons. Les sections juniors et cadets l'ont compris, l'important c'est de participer. Ils déroulent ainsi leur jeu match après match et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le tonnerre, on a toujours été plus petit, plus léger que les autres. Vous, faut que vous fassiez le job. D'accord ? Quand vous êtes pris, Véronique, quand vous êtes pris, vous allez au sol, vous protégez la palette demain. Vous allez au sol, vous gagnez 2 yards. C'est gratuit. Le coach Arnaud est un ancien Spartiate d'Amiens, club de division 2. À son arrivée au Tonnerre, il prend rapidement la direction de l'équipe des seniors, puis celle des juniors. Toff, ce qu'il me demande, c'est de fidéliser les juniors. Donc de ne pas les écœurer du Foot US, ils en ont. Enfin, c'est des guerriers. Hein. Quand on est junior, on vit Foot US, on pense Foot US, on se lève Foot US, on se couche Foot US. Donc eux, ils sont vraiment au taquet, donc l'aspect psychologique, il n'y a pas à le travailler. Donc eux, c'est la technique pure. Et donc, ce que je me dis, c'est que tout le travail technique qu'on fait, c'est quelque chose que Toff n'aura pas à retravailler plus tard. Et lui, il pourra focaliser sur ce qui l'intéresse, c'est-à-dire l'esprit de compétition. Arnaud, lui, est très tactique, très terrain. Et moi, je suis beaucoup plus dans le mental. Ils ont amené leur expérience de l'élite et ça se retrouve dans la qualité d'entraînement et dans la qualité des matchs. On a vu le niveau progresser et on commence à titiller les Dockers de Nantes, etc. Donc on voit les progrès d'année en année. Clairement, l'objectif, c'est pas vraiment le bilan comptable en fin de saison.
c'est de former des gars. Attention aux angles de poursuite. Les couvertures de passe, c'est pas trop mal, sauf que je rappelle que le safety, il est là pour faire régner là. C'est une erreur. Il est pas là pour faire des... Merde. Des interceptions. Les passes, comme ça. D'accord. C'est parce que t'es sur les temps, c'est pas parce qu'elle glisse, mon lapin. Je sais que tu sais lancer sur, avec des balles mouillées. On s'entraîne tout le temps avec des balles mouillées. Tout le temps avec des balles boueuses. Ok. Petit Alex, arrête de psychoter. Fais ce que tu sais faire. D'accord. Et là, ce que tu me fais, c'est que tu lances sur les talons. Tu lances trop tard ou trop tôt. Là, tu lances celle-là, tu ne l'avais jamais fait, quand c'est trop tôt. Tu sors de ta poche, alors que des fois, tu as le temps. Tu optionnes, alors que tu ne te vois pas, tu la gardes, alors que tu dois optionner. D'accord. Sois plus zen, sois plus détendu. Joue pour te faire plaisir. Acquérir des compétences, se développer eux-mêmes. Comme ça, quand ils vont arriver en senior, d'ici 3-4 ans, d'ici 3 ans pour la première génération même, ça va devenir super intéressant. Sa section sont l'avenir du Tonnerre. Leur technique est plus importante que des victoires en championnat. Mais le football américain n'est pas un sport facile à appréhender. Sensibiliser les jeunes est la meilleure des publicités. Le majeur, c'est une pince. On vient attraper le bout du ballon, comme ceci. D'accord ? Ce doigt-là, il vient juste après le trèblant. Et les autres doigts, voilà. Jamais le petit doigt sur la couture ici. Voilà, un écart. Après, c'est comme le tennis. Vous avez vu ? Ils font comme ça, et ils font comme ça, au tennis. Là, c'est pareil. On a le ballon dans les mains, on va chercher en arrière, et on vise. Et on continue le mouvement comme ça. D'accord ? Non, c'est en dessous, Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Tu penses au tennis. Hop. Voilà, nickel, passe parfaite, c'est comme ça. Occuper les gamins, leur apprendre quelque chose de nouveau. Pour certains, éventuellement, les faire sortir d'un environnement pas très favorable, peut-être par le sport. Là. Voilà. Tu vas chercher en arrière et tu jettes au ballon. Tu as deux façons différentes d'attraper une balle au football américain. On va baser ça au niveau de la ceinture. Donc, tout ce qui est au-dessus de la ceinture, tu fais comme ça. Tu mets tes mains en diamant. Parce que quand tu vas voir, en fait, la balle, regarde, quand elle arrive, ça va rentrer directement dans tes mains. Tu vois, même si c'est comme ça, tu vois, ça va toujours concorder parce que ta main va rebondir là. Je pars toujours du principe de leur apprendre juste ce qu'il faut pour qu'ils puissent jouer entre eux. Flag, ça s'appelle flag à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de plaquage. Par contre, pour arrêter un joueur qui a le ballon, il faut lui enlever ce flag. La miss, elle va être sur un clou. On va dire, c'est celle qui va vouloir esquiver. Elle va courir vers toi, elle va essayer de passer ta ligne. Toi, ton but va être de l'empêcher de passer cette ligne en lui enlevant ça. En lui enlevant le petit drapeau. Et après, vous inversez. Celui qui était défenseur passe attaquant, celui qui était attaquant passe défenseur. Donc vous choisissez. Ouais, go. Le diamant, le panier, là, ouais. Go. Go. Allez, ferme pas les yeux. Commencer le sport très jeune et avoir l'envie de la compète derrière, ça donne forcément des objectifs compétitif derrière. Ceux qui doivent esquiver, ils leur croient que vous partez dans une direction, vous partez dans l'autre. Voilà. De temps en temps, au match, j'ai un petit gamin de 10-12 ans qui vient me voir. Bonjour coach. Et voilà, après, bon, j'ai assez physionomiste, donc certains visages, je m'en rappelle. Et puis, ils sont venus voir avec leurs parents. Voilà ce que j'ai appris, mais voilà ce que ça donne avec les équipements, avec les plaquages, avec un vrai terrain. Donc ça, c'est super appréciable.